بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. شكرا مرحبا بكم. Merci d'être fidèle à votre émission avec religieux. Nous rejoignons ce canal algérien, Dr. Johri Marhababik. Merci d'être là pour répondre aux questions. Toujours ravi d'être parmi vous, un cher maître. Très bien. Et nous consacrons, Inch'Allah, le numéro pour répondre aux questions qui nous sont parvenues par email. Elles sont tellement nombreuses. Et à peu près, on a mis de côté à peu près une quarantaine. Voilà. Une quarantaine. Donc nous allons pas répondre à tout le monde. Voilà. Donc nous excusons auprès de nos chers téléspectateurs. Nous n'allons pas ouvrir la ligne téléphonique. Nous la consacrons pour les emails. Voilà. L'email, c'est avisreligieux@gmail.com. Avisreligieux, tout attaché, @gmail.com. La première question de Dr. Djouhri, c'est Stéphanois Ahmed. Non, d'abord, chef de département de sciences qui se doit. Bonjour, chef de département des sciences sociales. D'accord. Il demande un fatwa. Je tiens à vous saluer pour cette émission et pour vos efforts. Et saluer mon enseignant, Dr. Djouhri. Alors, Quelle surprise. J'aimerais avoir une fatwa sur le crédit bancaire pour l'achat d'un logement. Oui. Sachant que je suis enseignant universitaire au début de ma carrière, avec un salaire de 46 000 dinars. En ce moment, je loue un studio à 22 000 dinars. Merci. C'est pénible. C'est pénible. Bismillah, salatu salam ala Rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa man wala. D'autant plus, il est votre enseignant dès qu'il va. J'étais son enseignant. J'étais, oui. يثق يعني في الفتوى إن شاء الله. Il y a une fatwa émise depuis à peu près plus de 20 ans maintenant de quelques érudits algériens très connus, tels que Cheikh Hamad Hamani, et puis suivi par d'autres érudits, Ali Magharbi, puis suivi par Si Mohamed Sherif Gaher. Maintenant, Alihi Fatwa. Voilà. C'est que si quelqu'un vit dans la difficulté et puis il n'a pas d'alternative pour s'acquérir un logement où pas il cash. Peut vivre, et puis il n'a ni source financière pour se permettre de payer cash, ou une autre alternative pour chercher une transaction entre parenthèses ta'al murabaha, là il est devant une situation qui lui permet de s'acquérir ce bien-là immobilier lorsqu'il s'agit du premier bien immobilier qu'il peut s'acquérir, c'est-à-dire ce n'est pas une maison de luxe, il lui est permis de procéder par cette voie-là pour avoir un bien immobilier, et la contrainte toujours peut permettre en quelque sorte à quelqu'un de transgresser un jugement initial par le changement de la fatwa ou d'arourat toubé. C'est une exception. Al-mahzourat. Et c'est une exception. Qui confirme la règle. Et puis avoir en quelque sorte et toujours l'exception confirme la règle, comme vous le dites. Et lorsqu'on a en quelque sorte un loyer à payer qui est à peu près la moitié de son salaire, là on est dans une grande gêne, dans une grande difficulté. Et lorsqu'il y a difficulté, il y a toujours une facilité qu'on peut prendre comme procédure. Très bien, voilà. Monsieur Stéphanois Ahmed, maladie de la thyroïde. Salam alaikum. Ma femme est malade de la thyroïde, toujours fatiguée, état d'humeur changeante. Oui. Je lui demande de le faire, mais elle peut pas. Qu'en pensez-vous? Faire quoi, le jeûne? Je sais pas, il n'a pas précisé. L'intervention chirurgicale. Ma femme malade de la thyroïde, toujours fatiguée, état d'humeur changeant. Je lui demande de le faire, mais elle peut pas.
Oui. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas si le jeûne ou la... Bon, si ça concerne le jeûne, il faut toujours voir l'avis du médecin. C'est déterminant dans cette question-là, parce qu'il y a des maladies concernant la thyroïde où on peut prendre quelques médicaments une fois toutes les 24 heures, etc. Ça peut aider à faire le jeûne. Mais il y a des maladies très avancées, des stades très avancés concernant cette maladie-là où on ne peut pas s'en passer du médicament pour un intervalle très bien réduit. Et là, on est dans un cas de maladie chronique et on ne peut pas jeûner. Mmh. Bon, concernant l'intervention chirurgicale, c'est à son médecin traitant qui suit son cas à la persuader et à la convaincre pour qu'elle fasse cette intervention chirurgicale. Hein. Mmh. Ce n'est pas à nous de la convaincre. C'est l'avis du médecin toujours. C'est l'avis du médecin toujours. Traitant. Et puis si on suit tous les patients dans leurs souhaits, il y a peu de gens qui vont accepter d'être au bloc opératoire. Hein. Parfois, pour le bien du patient, on doit l'obliger à prendre le médicament ou à faire une intervention chirurgicale, etc. Et puis, c'est à son médecin de la convaincre. Très bien. Question. Assalamu alaikum. أنا ليلى من مارسيليا أرجو رأي الدين فيما يلي مات أبي وترك أختي غير متزوجة وأختي تتقاضى راتب شهري ولها منزل أبي كان مجاهد هل لباقي إخواتي والأخواتي الحق في هذا الراتب أم لا للعلم لأخ المحتاج شكرا مسبقا الله يبارك فيك selon la loi c'est-à-dire t'as le mujahid, c'est la pension du d'ancien maquisard, etc. C'est selon la loi, comme la loi le c'est-à-dire le prédit ou la il faut se référer à la loi en vigueur dans ce domaine-là par rapport à cela, d'accord. Si cette pension-là est reversée automatiquement à sa fille qui n'a pas encore ou qui ne s'est pas encore mariée, c'est de son droit à elle toute seule. Hein. Malgré que les autres héritiers, peut-être, sont dans la difficulté. Et on doit suivre la loi. Parce que ce n'est pas un héritage. C'est-à-dire, c'est une prise en charge de l'ancien maquisard jusqu'à sa mort. Et puis, la loi se réfère à un texte quelconque pour une certaine circonstance, de reverser cette pension-là comme prise en charge pour sa fille ou son fils, tel, etc. Il faut se référer à cette loi-là et les autres n'en ont pas droit parce que ça ne rentre pas dans l'héritage. Très bien. Oui. Voilà, c'est Nadine. Salam, ma fille est partie de la maison pour vivre avec un Français non croyant. Mon mari ne veut pas la voir. Il ne veut pas qu'elle vienne à la maison. Je voudrais savoir si on peut la rejeter devant Allah. Cela, si on est puni ou pas. Si on punit, c'est pas. C'est-à-dire, si on la rejette pas, est-ce qu'on est puni par rapport à cela? Est-ce qu'on est puni ou pas? On est croyant et pratiquant. Merci beaucoup de me répondre. Nadia de Lille. Vous savez, votre fille reste toujours considérée musulmane. Elle est toujours considérée musulmane malgré qu'elle a commis une transgression par rapport à la loi du mariage prescrite par Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que la femme musulmane ne doit épouser qu'un homme qui est de confession musulmane. On peut y remédier inshallah à cela. Il y a d'autres écoles juridiques qui peuvent nous orienter dans ce sens-là. Lorsque cet homme-là, on peut le persuader pour changer sa conviction et embrasser l'islam. On peut y remédier à cela s'il accepte, inshallah, l'islam avec une période de vituité. Il y a un détail qu'on doit observer. Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est l'idéal. Mais sinon. Mais sinon,
Oui, la rejeter, ce n'est pas par rapport à la religion d'Allah, parce que Allah Azzawajal ne nous dit pas que, nous dit jamais que quelqu'un qui commet un péché, on doit Le le rejeter. rejeter. C'est par rapport peut-être à l'état de conscience chez cette fille-là. Si ses parents lui interdisent de venir, etc., ça peut être, je sais pas, un déclic chez elle pour qu'elle change d'avis, Quelle qu'elle rebrousse, réponse? voilà, qu'elle repense, qu'elle rebrousse chemin du moment que les liens de parenté entre ses parents et elle sont coupés, etc. Peut-être que sa conscience va s'éveiller, se réveiller, on va dire. Mais par rapport à notre religion, on peut bien sûr procéder pour un certain moment par cette procédure-là de la rejeter, pour un certain moment, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les trois sahaba cités dans la sourate Tawbah, qui n'ont pas rejoint l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant une... Pour un certain moment, pour un mois ou là pour 40 jours, etc., le prophète a demandé aux musulmans de les rejeter. Mais une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a affranchis, on va dire, hein, et leur a pardonné, le prophète a renoué les liens de toute la communauté envers ces trois personnes. C'est en quelque sorte, il faut faire cette procédure-là dans ce sens-là. C'est pas pour se dire envers les gens, ah, ma fille a épousé un Français, moi je vais vous confirmer que je suis un bon musulman, etc. Moi je rejette cette fille jusqu'à la fin de ma vie. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est pas pour se justifier ou là pour redosser en quelque sorte sa dignité par rapport à la Qu'est-ce qui communauté, s'est hein. passé de lui, par exemple? Elle n'a pas pris son avis en tant que père, hein? Oui, d'accord, mais d'accord. C'est-à-dire, il a droit à se mécontenter, en quelque sorte, envers cette situation-là. D'accord. Et puis, à infliger, par piété, et puis par aussi rahma, par miséricorde, cette petite punition envers sa fille, mais c'est dans le sens et la finalité de la recueillir une autre Oui, fois. قسى ليزدجر ومن يكن ذا رحمة فليقسو أحيانا على من يرحمه. كما يقول. Voilà, Oui. oui. Bon, je travaille, une question, docteur, je vous Oui. dis. Je travaille actuellement en tant qu'hôtesse d'air, de Oui. l'air, hôtesse de l'air pour une compagnie aérienne basée à Dubaï. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, elle a deux questions. Sa première question, le fait de servir aussi des boissons alcoolisées, est-ce que ça rend mon travail lui-même haram? Non, s'il s'agit de non-musulmans. S'il s'agit de non-musulmans, non, ça ne rend pas votre travail À qui elle haram. sert les À qui boissons? elle sert ces boissons-là? Ça peut concerner des non-musulmans qui ne sont pas concernés par les détails de notre législation, L'interdiction, de à savoir l'interdiction, l'interdiction. à savoir, voilà, l'interdiction de consommer de l'alcool. Si ça concerne ces gens-là, vous n'avez pas à vous faire de la gêne en quelque sorte ou à vivre dans ce souci-là. Et puis aussi, il y a eu, c'est-à-dire un autre avis qui dit que s'il y a un travail où le halal, le licite est mélangé à l'illicite, et s'il y a le grand pourcentage, la majorité en quelque sorte du travail qui est halal, mais parfois l'illicite rentre comme ça, parfois. Là, c'est-à-dire, même qu'il soit un petit peu interdit, si vous servez à des musulmans, peut-être, qui ne respectent pas la loi, qui ne respectent pas la religion, du moment que c'est minime, ce n'est pas à tous les passagers, ce n'est pas tous les jours, voilà, ce n'est pas pendant tous les vols, etc.
c'est peu de soucis qui est enveloppé par ce qui est halal, inshallah. Inch'Allah. Sa deuxième question, c'est la même en test de l'air. Pendant Ramadan, quel horaire pour l'iftar je devrais suivre, celui de la destination du vol, sachant que ça peut être n'importe quel pays sur les 5 continents, ou bien je dois faire le calcul du nombre d'heures de jeûne selon le pays où je me trouve au moment du sahur. Vous remercions d'avance pour votre feedback. Bon, déjà, il y a une autre alternative, si vous pouvez l'appliquer. C'est de ne pas jeûner pendant le voyage. C'est permis. Mais elle est toujours en voyage. Mais si elle est toujours en voyage, presque tous les jours, presque, là, elle doit se référer toujours au pays où elle descend, ou là, d'où elle peut-être commence son voyage, etc. C'est pour ne pas rentrer... Même avec l'écart. Ouais, c'est parfois difficile, vous voyez. C'est-à-dire, si elle part d'un pays et puis il y a 9 heures d'écart, etc., ça peut être difficile. Dans ces moments de difficulté, moi, je facilite, vous mangez, vous ne faites pas le carême, et pendant vos journées de récupération, pendant vos journées de congé, essayez de rembourser. Voilà. Puis je vous le dis. Si vous avez une autre réponse, là. Mm-hmm. Mais moi, je ne rentre pas dans ces détails-là pour vivre la difficulté, les calculs, etc. Si vous êtes dans la capacité de jeûner, alhamdoulilah, si vous n'êtes pas dans la capacité de jeûner, il y a à peu près, je sais pas, 23 heures de jeûne ou là, vous avez l'alternative, la permission de ne pas jeûner. Et Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuk kama yuhibbu an tu'ta azaina. Bon, une autre question, docteur Jouhri. Salamu alaikum. Salam. Tout d'abord, merci infiniment à vous et à votre émission, mashallah. Maman, Allah yarhamha, était une fervente fan. Et on continue à vous suivre comme si elle était à nos côtés. Allah yarhamha. Mashallah. Allah yarhamha. En effet, maman étant décédée depuis 5 ans, nous étions l'exemple même d'une famille très unie. Depuis, la famille est séparée, maman a vendu notre maison de l'Biard pour une modeste somme tellement elle était fatiguée. Aujourd'hui, aucun membre de la famille, frère et sœur, ne prend l'initiative de mettre tout en œuvre pour récupérer l'argent dans les comptes bancaires et postales en Algérie. Nous restons 5 frères et sœurs, dont 2 frères handicapés, à nous tenir la main quoi qu'il arrive. Les aînés, dont 2 sœurs et 1 frère, restent très à l'écart toutes les démarches ou bien visites à nos frères handicapés. Quelles démarches et droits pouvons-nous obtenir avec ou sans le consentement des aînés? Bon, c'est un handicap, vraiment, c'est un handicap. C'est un handicap, mais quand même, ça relève de la farida. Si vous avez fait la farida ou pas, essayez. Si vous ne l'avez pas faite, mais encore... Mais il faut que... Si je fais là, il faut que monsieur vienne signer. Voilà, qu'il ne vienne, qu'il ne s'intéresse pas. Je ne sais pas comment passer. C'est une procédure judiciaire à faire. Le notaire va les contacter via d'un autre avocat, que ce soit en France ou ailleurs, etc. Mais c'est une procédure judiciaire. Ça ne relève pas de la législation purement liée à la jurisprudence islamique. Hein. C'est une procédure judiciaire à suivre. Essayez de les contacter, de les convaincre pour vous procurer, peut-être, vous faire une procuration pour procéder à cette démarche judiciaire pour faire la farida. C'est une procuration. Vous demandez. Voilà. Vous demandez de vous procurer, peut-être qu'ils n'en ont pas le temps nécessaire pour se déplacer, etc. Ils vous donnent leur procuration et puis vous continuez, inshallah, toutes les procédures avec le notaire et l'avocat. Très bien. Ouais. C'est Kahina, je crois que j'habite à Paris. S'il vous plaît, dites-moi ce que je dois faire
On était invité pour une occasion chez la famille de mon époux pour un dîner. Et puis, c'est pas faisable de demander si c'est de halal ou pas, comme tout le monde mangeait. Sachant qu'ils sont des Algériens nés en France, sauf les parents, je doute vraiment que la viande c'était pas halal, comme le mari est un Algérien non musulman, alors il achète des viandes non halal. Mais mon épouse là est musulmane. Ah, son épouse. Son épouse est musulmane, mais lorsqu'il achète, elle le prépare. Du coup, j'ai toujours des doutes que j'ai mangé la viande non halal. C'est pas évident de leur demander. Oui. Quand on est invité, est-ce que je dois jeûner pour cette journée? Non. Pourquoi faire, s'il vous plaît? Mon mari et moi, on a toujours ce doute. C'est bien d'avoir ce sentiment-là. Mais lorsqu'on commet un péché vraiment avec intention, préméditation. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent s'en sortir. Déjà, c'est passé. À chaque fois. Voilà. Là, ils en ont le droit de demander. Gentiment, avec respect. Par respect aussi à leur religiosité, c'est-à-dire leur application de la charia. Est-ce que vous mangez toujours halal ou pas, etc. C'est votre droit absolu. Et quand ils ont un grand doute, il n'y a pas vraiment une réponse exacte, là, ils peuvent s'abstenir et manger que, je ne sais pas, autre chose, de la salade, etc. Ils vont pas mourir. Leur souci, ça. Je sais. Est-ce qu'ils touchent la sensibilité, c'est-à-dire mais quand même, quand pas heurter le. Même que ça soit en privé. Il faut, c'est-à-dire, on peut interroger cette personne-là en privé. Est-ce que vous achetez toujours du halal ou pas, etc. Quelle est votre procédure quand vous allez acheter de la viande chez des bouchers, etc. On peut en demander ça à quelqu'un. Et puis, après sa réponse, on prend une décision. Hein. Mais ce qui est déjà fait, ce qui est au passé, là, Allah subhanahu wa ta'ala, ghafur rahim, vous n'avez pas à vous en soucier ou la jeûner une journée pour cela. Parfois, on peut demander intelligemment. Et voilà, c'est ça. C'est-à-dire, par exemple, là, où est-ce que vous trouvez le halal, hein? Est-ce que vous trouvez, j'ai du mal à le trouver, par exemple, là. Voilà. D'une manière ou d'une autre, il faut faire l'effort. Mais c'est un droit. Normalement, ils n'ont qu'à vous respecter. Voilà, c'est ça. Comme vous lui prêtez du respect, il faut qu'il vous prête du respect aussi. Qu'il soit mutuel, le respect. Réciproque. Et puis, cette culture du halal ou du non-halal, etc., c'est une culture propagée maintenant au sein de notre communauté. Ce n'est pas vraiment un tabou, ce n'est pas vraiment quelque chose de méconnaissable chez les gens. Peut-être il y avait 20 ans ou 30 ans auparavant, c'était un petit peu dur de trouver du halal, etc. Mais maintenant, c'est tout le monde qui parle de manger halal ou pas, etc. Alors on en a tout le droit, si on est invité chez quelqu'un, de demander intelligemment, de demander avec respect, etc., si on a vraiment le doute. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. D'accord, docteur Chouhri. Mais pour ce qui est déjà passé, ils n'ont pas à jeûner ou là à faire quelque chose. Voilà. Je ne sais pas si ça rentre dans le propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rufi'a an ummati al-khata'u wa an-nisyan wa mastukrihu 'alayh. Ça peut rentrer. Non, في الفقه الضابط في الفقه هو الغالب. Oui. الغالب يعني le souvent. حلال. هذا العالية mange le. Donc il faut demander. Faut demander. Et لا حياة العكس. إذا عاد نستحيا ناكل ومن بعد هكا ما نرقدش صنعينا.
Donc, il y a le ghalib, souvent cette famille n'achète pas le halal. Donc, il faut bah, demander. Il faut demander. Ouais. Et si j'étais avec la famille, moi, le maïd de khlo, nous avons acheté le halal, ne faites pas de soucis. Pour les rassurer. Pour les rassurer. Ouais. C'est un droit. Nous allons, docteur Doré, vers une petite transition. Inch'Allah, restez avec nous, mesdames et messieurs. Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous revenons à Dr. Djouhri. Questions qui ne sont pas venues, je rappelle, nous consacrons cette émission pour les questions qui ne sont pas venues par voie d'email. Donc nous n'allons pas ouvrir la ligne téléphonique et nous nous excusons pour nos chers téléspectateurs. Exceptionnellement, bien sûr.
Une question, docteur Djokrik. Est-ce possible de poser une question à M. Djouhri, bien sûr, concernant la part d'héritage d'une sœur décédée, son mari aussi, qu'elle aurait pu avoir de son père décédé avant elle, en sachant qu'elle a eu deux enfants, une fille et un garçon. Là, si ça si ça concerne l'application de la loi chez nous en Algérie, ça s'applique parce qu'on appelle l'héritage par substitution. Son père est décédé avant elle. Avant elle, je connais un goulot. C'est pas celui de Dethaka. Là, la Madèche. Il est décédé avant elle. Avant elle, avant elle. D'accord, d'accord. Ah, d'accord. Donc ses enfants vont hériter de sa part. De sa part, bien sûr. Elle en a sa part d'héritage par rapport à son père du moment qu'elle est décédée après lui. Et même son mari est décédé. Donc ses enfants en trois parts. Ils vont diviser deux parts pour le garçon et une part pour la fille. Voilà. Ouais. C'est ça, docteur Douali. C'est ça. C'est un fils et une fille. Voilà. C'est un fils et une fille. Alors, elle aura sa part d'héritage par rapport à son père du moment que le mari est décédé. Aussi. Aussi. Alors, ses enfants vont hériter de cette manière-là. Répartir en trois cet héritage-là, deux parts pour le garçon. Et une part pour la fille. Ouais. Très bien. J'ai une question concernant la prière. Je pars en déplacement toutes les semaines. Oui. Est-ce que je peux ou je dois raccourcir la prière, merci? Oui, toutes les semaines, c'est-à-dire... toutes les semaines. Il y a un petit détail. Pendant le voyage, oui, il vous est permis de raccourcir et aussi de rassembler les prières deux par deux. Le dhuhr avec l'asr et le maghrib avec l'aïcha. Taqdim ou ta'khir. Voilà. Arrivant à votre destination, si vous avez déjà l'information et l'intention d'y rester plus de 4 jours, vous n'allez pas. Ni à raccourcir, ni à rassembler. Ni à raccourcir, ni à même à rassembler les prières. Mais si vous allez rester moins de 4 jours, là, vous avez la permission de faire le raccourcissement et le regroupement selon notre école juridique malikite. Mais dans d'autres écoles, c'est permis aussi de faire les deux. C'est-à-dire le rassemblement des prières aussi. Selon notre école malikite, arrivant à destination, j'ai le droit de raccourcir mais pas seulement. De rassembler. Voilà. Je rassemble lors du voyage. Voilà, très bien. C'est ça, docteur Djouhri. Oui, c'est ça. Je suis une sœur musulmane algérienne qui habite en France. Je me suis mariée avec un frère en 2015, en sachant que j'ai été divorcée d'un premier mariage. Et du coup, dès que je me dispute avec mon deuxième mari, oui. Il me rabaisse plus bas que terre par le premier mariage tout le temps. Par le premier mariage. Déjà, il y avait des disputes avec lui jusqu'à qu'on arrive au stade qu'il pète les plans. Oui. Il me prononce le divorce et sur le coup, dès qu'il le prononce, il le regrette sur le plat. Il dit, voilà, tu vas très loin et tu me réponds. Il fait en sorte que je le... C'est-à-dire... Est-ce qu'il prononce le divorce? Il prononce, Katlek. Eh ben oui, là... Dès qu'il le prononce... Il le regrette divorce, après. Il le regrette sur le plat. Sur place. Il dit, voilà, tu vas très loin et tu me réponds à ce qu'il fait en sorte que je le prends note. Donc, en fait, il n'arrive pas, si vous voulez, se contrôler. Cette situation, c'est... Vous savez, c'est-à-dire, vous avez le droit de vous rapprocher de la plus proche mosquée, surtout si c'est une mosquée appartenant à la grande mosquée de Paris, sous sa tutelle. Et parler de votre situation à un imam en évoquant les détails. Parce que voilà. Le fait de prononcer le divorce, est-ce que c'est une grande colère? Les détails sont déterminants. Les détails sont déterminants. Hein. Bon, mais ce qui est clair dans cette situation-là, c'est que la vie conjugale est très difficile à continuer. Et si vous voyez que vous êtes toujours rabaissé,
vous n'êtes plus respectée, vous n'êtes plus considérée comme étant épouse. Allah Azza wa Jalla nous dit وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, c'est-à-dire que la femme a le droit d'être respectée comme le mari souhaite aussi d'être respecté de la part de sa femme. Et quand les finalités du mariage ne sont pas consacrées, on va dire, وَمِنْ آيَاتِهَا أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, si on ne trouve pas cette paix, ce recueillement envers l'autre, cette vie paisible qu'on essaye d'avoir, c'est-à-dire à partir de ce mariage-là, là, vous avez tout le droit de demander divorce et de vous en débarrasser de cette situation-là, parce que ce n'est pas une situation normale d'un couple, on va dire. Voilà. Très bien. Si vous trouvez que il n'y a pas d'issue, vous avez tout le droit de changer la situation par la demande du mari. Mais il faut aller auprès de la mosquée. Il faut aller envers déjà pour essayer de voir est-ce que votre vie conjugale est valable et légale pour le moment. Parce que si cet homme-là a prononcé plusieurs fois le divorce, et le divorce sera considéré, pris en considération, là, c'est-à-dire la vie conjugale, ça pose un problème. La vie conjugale sera illicite. Donc il faut vite. Voilà. Il faut prendre conseil auprès d'un imam rapidement et lui évoquer tous les détails. Hein. Mm-hmm. Oui. Une autre question, je voudrais savoir si le don d'organes sans vivant est autorisé en religion. Ça, c'est la première tranche. Est-ce que donner ses organes à notre mort pour peut-être sauver une personne est autorisé? D'abord de son vivant. De son vivant, bien sûr, sous condition que ça n'affecte pas la vie du donneur. Bien sûr. Voilà, c'est ton médecin de régler cette chose-là. On peut en donner de nos membres, de notre vivant, lorsqu'il s'agit d'un don qui n'affecte pas et qui ne joue pas un rôle décisif sur la vie ou la mort du donneur. Ça, c'est voilà. Clair. Ça, c'est... Il y a des choses qu'on ça peut donner. Ça va de soi, docteur Joy. Et Inch'Allah, vous serez récompensé d'avoir sauvé une vie. Et puis, après sa mort, c'est ça? Oui, à notre mort, pour peut-être sauver une personne. C'est la même chose aussi. Si on vit dans un pays où on doit en quelque sorte manifester son approbation, sa volonté, son accord pour donner, vous pouvez le faire, Inch'Allah, parce que c'est permis. Vous n'allez pas en bénéficier d'un cœur dans une tombe hein, ou je sais pas d'autres choses. Alors vous pouvez signer cette décision là ou là. De votre vivant. Et puis si vous vivez aussi dans un autre pays où les lois sont ainsi, c'est-à-dire il faut manifester son refus d'utiliser ses membres après sa mort, là vous n'êtes pas dans l'obligation de signer en quelque sorte cette déclaration-là. Parce que le fait de ne pas signer le refus, c'est automatiquement... Automatiquement vous êtes donneur. Un accord. C'est un accord. Alors, Inch'Allah... Avec le consentement de la famille. Avec le consentement de la famille, mais quand même, le fait de réfléchir à ce don d'organes-là, c'est une noblesse de la part de cette personne-là, parce qu'on est confronté nous-mêmes, peut-être il y a des gens qui sont malades de notre entourage, à qui on cherche... en quelque sorte des membres de potentiels donneurs, on va dire. Mmh. Alors, mettez-vous à la place de celui qui en a besoin, Inch'Allah, que ça va soulager toute une famille, que ça va sauver une vie, et ça rentre, Inch'Allah, dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, « Min ajlika dhalika katabna alihim annahu man qatala nafsan bi ghayri nafsin au fasadin fi l'ardi fa ka'annama qatala nasa jami'an » وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Celui qui sauve une vie aura la récompense comme s'il a sauvé toute l'humanité. Il n'y a pas plus sacré que la vie humaine. Oui, oui.
Je suis né en France, marié à une Algérienne qui m'a appris tout sur la religion musulmane. Mais je ne sais pas lire l'arabe, je l'ai et fait mes prières avec la traduction du Coran. Je veux savoir si c'est valable ou pas valable. Merci pour votre émission. Non, c'est pas valable. Faire la prière avec la traduction. Ce n'est pas le Coran. Non, c'est pas le Coran, ce n'est pas valable. Il vous suffit seulement de réciter la Fatiha et une petite sourate que vous allez réciter. Un verset, même un verset. Voilà. Qul huwallahu ahad. Ahad. Ça suffit largement. C'est comme si vous avez appris une chanson d'une langue que vous ne connaissez pas, ou là vous méconnaissez un petit peu, ou là. Essayez. C'est faisable. C'est la Fatiha, c'est pas trop, c'est sept versets. Sept petits versets. C'est cinq. C'est en quelque sorte trois lignes, la Fatiha. Ça ne dépasse pas les trois lignes. Et puis un autre verset. Et vos invocations, vous les faites en ça français, vaut la si vous voulez. Ça vaut l'effort, oui. Les invocations, c'est-à-dire au moment de la prosternation, sujoud, vous pouvez invoquer Allah Azza wa Jal, demander des du'as avec votre langue, que ce soit en français, en anglais ou là, ma'alish. Mais concernant la récitation de la Fatiha et les gestes, les paroles qui accompagnent les gestes dans notre prière, il faut les faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a faites. C'est-à-dire dire Allahu Akbar en arabe, comme ça, Allahu Akbar, Sami Allahu Limin Hamida, en arabe aussi. Subhana Rabbil Azim en arabe, Subhana Rabbil A'la en arabe. Le Tashahud, Ashhadu an la ilaha illallah, wa Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ça peut aussi s'apprendre. Vous le faites ainsi. Et puis tout le reste, vous pouvez, bien sûr, invoquer Allah Azza wa Jalla avec la langue que vous maîtrisez. Très bien, docteur Djouhri. Je voudrais poser une question sur l'héritage. Mon grand-père maternel est décédé ainsi que ma grand-mère en 1970 et 1969. Mm-hmm. Il a laissé deux garçons et deux filles qui sont mes oncles et tantes maternelles. Mm-hmm. L'un de mes oncles est décédé en 1961. Laissant deux garçons et une fille. 61. 61. Ça veut dire Qabel. Qabel, oui. Laissant deux garçons et une fille, mon grand-père a laissé un terrain, morceau de terre. Hein? Mon autre oncle est décédé en 2007. Ma tante est décédée aussi en 2007. Oh. Et il ne reste donc que ma mère et mon oncle. Mm. Ma tante maternelle décédée en 2007 a eu un fils unique. Oh, il faut écrire ça. Sinon, ça se complique. Bon, la règle, c'est que... Des filles, garçons, à qui revient l'héritage et de quelle façon? Bon, la règle en général, c'est que tous les enfants en ont droit, avec la loi maintenant, de l'héritage par substitution. Les petits-enfants. Les petits-enfants, l'héritage par substitution. Mmh. C'est-à-dire, ils peuvent prendre la part de leur père, on va dire. Mmh. D'accord? Du moment que il s'agit, même la loi, c'est-à-dire s'est appliquée que pour les garçons, hein, les masculins. Mais aujourd'hui, il y a un penchement vraiment considérable pour appliquer la loi aussi pour les filles qui sont décédées avant leur père ou là leur mère, de faire hériter en quelque sorte leurs enfants par cet héritage par substitution, que ça ne dépasse pas bien sûr le tiers pour chaque héritier. Hein. Alors, ils en ont tous droit du moment qu'il s'agit de son oncle paternel, ils ont, ou là, son oncle maternel, et ils en ont tous le droit, et les enfants de ce défunt-là vont prendre, inshallah, la part de leur père. Wallahu a'lam. Il y a d'autres détails, peut-être que vous allez répondre par email. Par email, on va voir. Oui. Là, on va procéder par email. Je signale parce qu'il y a trop de détails, donc il faut. Ouais. Bon, salam alaikum. Mon mari est décédé depuis 6 ans, j'ai 3 garçons et ses parents sont encore vivants. On a construit une maison en Algérie
Et si je la vends, est-ce que je dois donner leur part à ses parents? Et est-ce que mes enfants hériteront de leurs grands-parents? Shukran. Et voilà, c'est la même chose. Oui, les parents, s'il s'agit bien sûr d'une maison qu'a laissé le défunt derrière lui, bien sûr que ses parents en ont droit. Ils ont le droit à l'héritage. Li kulli wahidin minhuma sudus. Et puis, c'est-à-dire le tiers, déjà, revient aux parents. Le tiers, hein. Le grand-parent, il prend un sixième, la grand-mère prend un sixième, ce qui fait le tiers. Vous allez prendre le huitième, et les enfants vont prendre le reste, vos enfants vont prendre le reste, deux parts pour chaque garçon, et une part pour chaque fille. Et puis, les petits-enfants auront aussi le droit à hériter de leur grand-père par, s'ils ne leur donnent pas de la donation en son vivant, ils auront droit à hériter par ce qu'on a cité il y a quelques instants, c'est l'héritage par substitution. C'est-à-dire ils vont prendre la part de l'autre, de leur père, comme si il était vivant. Très bien. Voilà. Bon, bonjour, j'habite en France, je suis algérienne et mariée avec un mari algérien français. Il ne s'est pas bien occupé de ses parents quand ils étaient vivants. Il est méchant avec ses enfants, il les déteste et cherche toujours à créer un conflit. Surtout avec son fils, mon fils de 21 ans, il le frappe tout le temps. Je ne sais plus quoi faire pourtant, il va tout le temps à la mosquée et fait la prière. Je prie Dieu dans mes prières de l'éloigner de mes enfants et moi la vie devient insupportable. Sa question, dois-je demander le divorce? C'est à vous d'en juger. Si vous trouvez que la vie est devenue pénible avec cet homme-là, oui, bien sûr que vous avez tout le droit de demander divorce. Et puis pour ceux qui se comportent ainsi envers leur famille, le prophète alayhi salam nous dit khayrukum khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli, c'est-à-dire le meilleur d'entre vous c'est celui qui se comporte convenablement et comme il le faut avec sa famille, l'ahl, sa famille, commençons par sa femme, ses enfants, bien sûr ses parents, etc. Et de ce que vous avez décrit du comportement de votre mari, même qu'il fasse la prière, bien c'est à Allah Azza wa Jalla d'en juger, mais quand même, généralement, on dit que Allah subhanahu wa ta'ala a lié la prière à la bienfaisance des parents, envers les parents. قَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Je dirais bien que au jour du jugement dernier, pour ceux qui ont ce comportement-là, qui devient des, c'est-à-dire des pharaons, des tyrans, envers leur famille, le jour du jugement dernier, il y a un propos du prophète صلى الله عليه وسلم où il dit: "Inna ahadakum la yuhsharu ma'a fir'aun wa haman wa qarun, wa lam yasus fi ad-dunya illa ahlih." Yani, si on cherche pourquoi il est parmi les tyrans, il est classé parmi les grands tyrans de l'histoire humaine, on ne trouvera pas peut-être qu'ils ont géré toute une communauté, un peuple, ou là, ils n'ont pas été souverains en quelque sorte par rapport à une souveraineté politique, mais seulement pour avoir géré mal une petite famille, un foyer qui n'a pas su gérer avec bonté, avec une tyrannie, il a géré avec une tyrannie, avec un certain comportement de méchanceté. Allah yahdih, Allah yadawih, parce que qui va à l'encontre des finalités de, les finalités du mariage, de fonder un foyer, c'est de trouver la paix. C'est de trouver une vie paisible, de vivre aisément et tranquillement, la tranquillité dans la quiétude. C'est pas dans l'inquiétude, dans la quiétude. Min ayati an khalaqa lakum min anfusikum wa azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala. La paix intérieure. La paix intérieure.
وجعل بينكم مودة l'affection et l'amour partagé ورحمة c'est la miséricorde c'est d'être toujours bon d'être doux d'être c'est la paix intérieure voilà c'est l'affection c'est la miséricorde et la miséricorde c'est les trois piliers d'un foyer merci bien docteur Touré pour votre éclairage si précieux merci beaucoup mesdames messieurs nous arrivons au terme de cette émission. Merci de nous avoir prêté votre attention. D'ici la semaine prochaine. Donc, on fait les ayats Allah wa hifdeh. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.